Bonsoir les filles, bonsoir à tout le monde, à tous ceux qui aiment voir et avoir de beaux cheveux. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma commande. Elle vient de chez Aromazone. Voilà. Dans cette commande, j'ai exclusivement pris les produits qui me semblaient importants pour hydrater mes cheveux, les nourrir. Et des actifs capillaires. Donc, j'ai ici de la glycérine végétale. Ce produit, il suffit de mettre dans 150 ml d'eau de source. Vous mettez 6 ml et vous aurez un spray très hydratant. Vous garderez l'hydratation de vos cheveux pendant toute la journée. Voilà. Et 1 litre coûte à peu près, je pense, 8 euros. Vous en avez pour l'année. Les autres produits que j'ai commandés chez Aromazone, ce sont des actifs. Ce sont des actifs, pour ma part, des actifs capillaires que je mettrai dans mes produits. Je vais vous les présenter. Donc, nous avons de la menthe poivrée. Cette menthe poivrée me sert dans la préparation du sérum que j'utilise pour garnir mes tempes. Je ferai une vidéo la prochaine fois pour montrer ce que contient mon sérum pour faire pousser mes tempes. Ensuite, il y a de la vitamine E. Cette dernière me sert de conservateur lorsque je fais par exemple mes chantilly de karité ou autres produits faits maison. Pour mes soins. Ensuite, j'ai pris de la protéine de soie. Ça, c'est un régal. La protéine de soie, elle se dilue à l'eau. Je l'ai introduite dans mon vaporisateur, toujours en mettant 5 à 10% dans le vaporisateur, de l'eau et de l'huile d'olive extra vierge, extraite à froid. C'est un régal. Essayez. Ensuite, dans ma commande, il y a une huile que je voulais tester à cause de son pH. Pardon, excusez-moi. C'est l'huile de jojoba. Je vais vous dire, je vais pouvoir le faire. Pas de difficulté. Voilà, parce qu'en même temps, je tiens la caméra. Donc, là, j'ai de l'huile de jojoba. J'en ai pris 100 millilitres. Je l'ai utilisé pendant à peu près, je vais dire, une semaine. Pour l'instant, donner des résultats, ce serait vraiment des résultats hâtifs. Je préfère attendre et vous dire ce qu'il en est. Voilà ce que j'ai pris chez Aromazone. Il n'y a plus rien. Comme quoi les filles, nous pouvons être raisonnables lorsque nous le voulons. Donc, en dehors de ces produits d'Aromazone, je voulais vous présenter aussi quelque chose qui m'a fait plaisir. J'ai une amie qui est partie en Martinique. Voilà une belle carte hein, de la Martinique qui m'a ramenée. Et il a profité pour me prendre ceci. C'est de l'huile de carapate ou Palma Christi. C'est l'équivalent de la Black Jamaica Castor Oil. Ce que je vais faire, j'ai un quart de litre. Je trouve que c'est bien déjà. Je vais tester cette huile dans mes soins. Je l'introduirai certainement dans mon sérum pour la pousse que je mets sur mes tempes. Je vais introduire ce produit et peut-être plus tard, je pourrais comparer cette huile à la Gibeco ou à une autre huile d'une autre marque qui fait de la Palma Christi aussi. Je ne peux pas vous en dire plus parce que je n'en sais pas grand-chose sur cette huile. Je ne sais pas quel effet cette huile fera sur mes cheveux. Mais il n'empêche que je suis très contente de recevoir ça et de voir qu'elle a été faite maison. Cette huile, elle a été faite maison.
On nous dit ce qu'il faut faire, voilà. Donc, sur cheveux secs, crépus, cassants, voilà. On dit que ça stimule la pousse. Ça stimule la pousse, ça rend le cheveu plus souple, nourri. Les repousses aussi, rend les repousses beaucoup plus souples, s'embellit. Et il faut que l'application soit régulière. Donc voilà ma petite bouteille. Je suis super contente. Et je voulais partager cela avec vous. Voilà les filles, ma dernière acquisition. Je suis contente. Et je veux vous parler de l'huile d'olive Miracle d'African Pride. Cette huile, quand je l'ai achetée, c'est parce qu'elle faisait une sorte de synergie d'huile. Il y a plusieurs huiles dedans. Il y a de la glycérine de soie, de l'huile de, pardon, de la glycérine, de l'huile de soja, de la glycérine. Qu'est-ce que je raconte? Il y a de la glycérine de soja, pardon. Il y a de l'huile d'olive, il y a de l'huile de germe de blé, il y a de l'huile de coco, il y a de l'huile de jojoba. Franchement, si vous pouvez, si vous êtes à Paris, cette huile coûte à peu près 6 €. Essayez de la tester. Essayez de la tester. Je vous conseille de la tester en pré-poux, par exemple, ou lorsque vous faites le deep conditioner de vos twists. C'est une merveille. Accompagné à cela, vous ajouterez de la protéine de soja dans votre vapeau et de l'eau de source. Essayez et dites-moi ce que vous en pensez. Pour moi, ce produit n'est peut-être pas l'équivalent de la synergie d'huile des secrets de Loli, parce que ça, elle contient quand même quelques parfums légers, ça vient presque en dernière position, mais il y a quand même un parfum dessus, dans cette huile. Mais je pense que cette huile fait du bon boulot. Si vous avez déjà essayé la synergie d'huile des secrets de Loli, vous pouvez aussi essayer l'African Pride. Et vous verrez qu'en rapport qualité-prix, l'African Pride fait quand même quelque chose de bien. C'est quand même un produit, pour ma part, assez propre que l'on pourrait intégrer dans sa routine capillaire. Sur ce, les filles, les hommes, hein, nous avons déjà sur la toile la présence d'un homme que je salue d'ailleurs. Puisque Nadia en a fait référence et je suis contente de l'avoir, hein, d'ailleurs. Je mettrai son lien, le lien de sa chaîne sur la barre d'infos. C'est toujours intéressant d'avoir un point de vue masculin comme ça sur le cheveu crépus ou autre. Hein. Donc je vous fais des bisous et puis j'espère que vous pourriez essayer cette huile et voir ce qu'elle vous apporte. Toutefois, je réitère mon souhait de voir que tous les produits que nous avons chez nous sont utilisés à fond et utilisés sous toutes les formes possibles. Essayons de donner une chance. Essayons de donner une chance aux produits que nous avons chez nous. Essayons de donner une chance à ce que contient nos armoires en essayant de mettre tout cela ensemble, en commun, pour pouvoir retrouver quelque chose de formidable, quelque chose qui convienne à nos cheveux. N'oubliez pas les filles, buvez de l'eau, protégez vos cheveux. N'oubliez pas, n'oubliez pas, n'oubliez pas, l'hydratation, c'est la base. C'est la base, nos cheveux sont souvent secs. Des bisous, à la prochaine, bye bye, ciao.